Je suis rentrée. Ouais, bien joué. Comment se fait-il que tu fasses cette basse besogne, Gabriel? Si tu manques de personnel, n'hésite pas à nous le dire, on peut t'en prêter. T'accueillir est un plaisir et non une besogne, ma chère Audrey. Monsieur Agreste, il faut absolument que vous voyiez cette vidéo. Oh, oh là là. Oh, oh, oh là là. Oh, oh, mon portable. C'est à vous, il me semble. Merci, je veux dire merci. Oh. Est-ce qu'on se connaît? J'en doute, je ne connais personne ici. Hé, hey, regardez ma vidéo, vous êtes prêts? Ce n'est pas le moment, jeune fille. Ça suffit, ma chérie, tu vois bien que Gabriel est occupé. Gabriel, je peux enfin te remercier en personne d'avoir rendu à mon fils Félix la bague de notre famille. Je ne me voyais pas faire autrement, Amélie. C'était généreux de votre part, père. Je peux m'occuper de servir les jeunes. J'ai toujours eu un bon contact avec eux. Je préfère te savoir en cuisine. Prouve-lui qu'elle a tort, Marinette. Oh, pardon, désolé. Finalement, tu as raison. Occupe-toi des jeunes. Mais qui voilà? C'est le faux Adrien. Si j'étais une autre que Chloé Bourgeois, j'aurais peut-être pu me faire avoir. Mais tu te trompes, Chloé, je suis Adrien. Je suis vraiment désolée, Adrichou. Ta bêtise ne cesse de me surprendre, Chloé Bourgeois. Et Monsieur Agreste, ça y est, vous avez le temps de regarder mon film? Tous les téléphones doivent être mis en sécurité le temps de la soirée. La confidentialité est un point essentiel.